icône religieuse des pays de l'Est. Les larmes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les péchés. Les péchés, ce sont les choses qu'il ne faut pas faire car cela attire la souffrance sur vous, sur vos enfants et sur vos petits-enfants. Dieu ne s'est pas dit « je vais inventer des règles pour les embêter ». Non, c'est pour nous protéger. Les 10 règles que l'on doit suivre, c'est premièrement, tu auras qu'un seul Dieu. Donc la religion ou les dieux hindous, égyptiens et grecs sont interdits. Deuxièmement, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tout ce que tu places avant Dieu est interdit. Par exemple, le sport, les jeux vidéo, ta femme, la musique. Troisièmement, tu ne te moqueras pas et n'insulteras pas Dieu. Donc toutes les blagues sur les sœurs, les moines, les religieux et toutes les blagues sur Dieu, Jésus et Marie sont interdites. Quatrièmement, respecter le dimanche. Ça veut dire deux choses. Aller à la messe et ne pas travailler ou ne pas faire un travail pour gagner de l'argent ou faire travailler quelqu'un sauf pour les services de secours. Cinquièmement, honore ton père et ta mère. Ça veut dire aller les voir et ne pas les mettre dans une maison de retraite pour être débarrassé. Celui qui s'occupe de ses parents, tous ses péchés lui seront pardonnés. Sixièmement, tu ne tueras pas. Certaines religions appellent au meurtre. Il faut le savoir. Septièmement, respect du mariage et pas de sexe en dehors du mariage. Pour contrôler vos pulsions, utilisez le jeûne. Huitièmement, ne pas voler. Neuvièmement, ne pas mentir ou faire de fausses déclarations. Par contre, vous pouvez avoir des secrets. Et dixièmement, ne pas être jaloux ou rendre quelqu'un jaloux. Je suis venu parce qu'il y a ici beaucoup de vrais croyants. Je désire être avec vous pour convertir et réconcilier le monde entier. Je ne choisis pas forcément les meilleurs. La paix du monde est en danger. N'ayez pas peur. Vous supporterez tout. Il faut croire et avoir confiance en moi. Faites bien ce qui est votre devoir et ce que l'Église demande d'accomplir. Il est bon de devenir prêtre ou religieuse, mais seulement si vous le désirez vous-même. Vous êtes les seuls à pouvoir le décider. N'ayez pas peur. Je désire que vous soyez remplis de joie et que votre joie se lie sur vos visages. Mes enfants, je vous donne de la force. Je vous en donnerai toujours. Dès que vous avez besoin de moi, appelez-moi. Les membres de toutes les religions sont égaux devant Dieu. Dieu règne sur chaque religion, comme le souverain dans son royaume. Dans le monde, toutes les religions ne sont pas les mêmes.
car les gens ne se soumettent pas au commandement de Dieu de la même façon. Ils les rejettent et les dénigrent. Message de Medjugorje de 1981. Merci de prier pour accélérer la victoire du cœur immaculé de Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de prier aussi pour qu'on retire de la vente les médicaments dangereux pour la santé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Icône religieuse des pays de l'Est. Une petite prière pour Horizon, qui essaie de jeûner pour aider un ami. Fermez les yeux et répétez après moi. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen.